Bonjour. On va se poser aujourd'hui la question de comment la Bible a-t-elle été transmise? Comment est-ce qu'elle nous est arrivée? Comment est-ce que ce livre que nous avons maintenant dans les mains finalement a démarré? Et est-ce que au départ il y avait un livre comme nous pouvons l'avoir aujourd'hui, nous? Alors, on se souvient de ces paroles de Paul qui dit à Timothée en 2 Timothée 4, 15, c'est sa dernière lettre qu'il a écrite, et Paul est âgé, et puis il sait vraisemblablement qu'il va mourir. Il lui dit: tu connais les saintes lettres, hein, qui peuvent rendre sage à salut. Donc il y a déjà des lettres qui circulent. On est à peu près en 64-65 après Jésus-Christ, hein, sous Néron. Hein, c'est là où Néron commence à faire ses incendies. Et Paul, avec cette dernière lettre, en a écrit 13. Et il a commencé à écrire vraisemblablement vers 49 aux Galates. Et puis, dans le même temps, Pierre a écrit deux lettres également, Jacques et Jude, où on s'y écrit. Et donc, il y a des lettres qui circulent. Et Paul a pu dire à Timothée: et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. Donc peut-être qu'il lui propose d'écrire ces lettres et de les avoir pour lui-même, d'avoir un ensemble de lettres lui permettent déjà de commencer à constituer la parole de Dieu. Mais ensuite, il faut savoir que les choses n'ont pas été faciles. Par exemple, vers 140-150, il y a un dénommé Marcion qui a déclaré de manière absolument carrée que les Juifs n'avaient rien à voir à faire dans la révélation biblique, et du coup il a enlevé tout ce qui touchait aux Juifs dans la Bible, bien sûr l'Ancien Testament, mais surtout l'évangile de Matthieu parmi les évangiles, et il a fait un peu le tri, l'épître aux Hébreux bien sûr, hein, il a enlevé tout ce qui était pour les Juifs, et il s'est fait un canon, il a constitué un canon personnel qui lui paraissait plus vraiment pour les chrétiens de l'époque. Et il a fallu à peu près 300 ans pour que ce canon, c'est un roseau, hein, c'est un bâton, on pourrait dire aujourd'hui, qui sert à mesurer. Et donc le canon des Écritures, c'est, on a mesuré quelles étaient les Écritures qui composeraient les Écritures bibliques. Et donc c'est dans un concile régional et non œcuménique, le concile de Carthage, qui a eu lieu en 397, et ensuite en 415, que le canon des Écritures a été entériné, en tout cas dans une partie de la chrétienté, et avec difficulté, parce que l'Apocalypse, l'Épître aux Hébreux, la deuxième Épître de Pierre, étaient des lettres que les chrétiens avaient du mal à intégrer, et certainement parce qu'ils ne les comprenaient pas bien. Et donc, ces lettres ont été transmises séparément, transmises ensemble, copiées, recopiées. Alors ce qui est évident, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous n'en avons pas d'original. Hein, c'est clair que ces lettres ont été recopiées, mais on sait que, par exemple, dans les bibliothèques du Vatican, il y a le Codex Vaticanus, hein, qui contient presque l'ensemble de la Bible et qui est un codex, c'est-à-dire un ensemble de parchemins qui sont donc en velin, c'est-à-dire en fœtus de veau, et où les écrits sont écrits sur le velin et puis reliés en codex. Et il y a plusieurs codex, Vaticanus, Alexandrinus, Sinaiticus, qu'on date du 4e et 5e siècle après Jésus-Christ. Et puis il y a tout un ensemble de manuscrits. Par exemple, le papyrus Bodmer, un ensemble de fragments de textes bibliques qui ont été retrouvés. Il y en a environ 2000 pour l'Ancien Testament et 5000 pour le Nouveau Testament, ce qui fait qu'on a énormément de documents en fait, qui nous permettent de vérifier que le message biblique est bon. Et on peut dire que le texte biblique est certain, historiquement parlant et scientifiquement parlant, à 98% du texte, il y a 2% de variantes. Par exemple, dans Romains 10, 17, dans certains manuscrits, il est dit que la foi est de ce que l'on entend et de ce que l'on entend par la parole de Dieu, et d'autres disent de ce que l'on entend par la parole de Christ.
Voilà, donc il y a quelques petites différences, mais qui sont vraiment très minimes, ce qui fait qu'aujourd'hui nous savons, historiquement et scientifiquement, que la Bible est un livre qui a été transmis non seulement par des recopies très fidèles, hein, le manuscrit entier le plus ancien du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament que nous avons, et le Codex de Leningrad, et qui a été écrit après l'an 1000, mais aussi par des gens valeureux. Où les Juifs se lavaient entièrement le corps avant de recopier la Bible, ils comptaient les consonnes, ils faisaient un travail à plusieurs, c'était extraordinaire. Et puis, il y a des gens qui ont donné leur vie pour que la Bible soit transmise. Alors, ça donne vraiment envie de la lire, bien sûr.